Salut tout le monde, c'est Nfix, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts car aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la création du serveur Nfix. J'ai un petit peu avancé quand même. Ben, j'ai créé une petite salle avec les créateurs du serveur. Présentement, il y a juste moi. Il y a aussi un truc que j'ai fait. J'ai écrit Nfix. Parce que c'est le nom du serveur. J'écris dans le ciel comme ça. Ensuite, je crois que ce que je vais faire, c'est. Je vais juste me prendre. Alors, je rien me prendre, finalement. Je vais aller dans les paramètres de jeu. Je vais enlever l'apparition de. Ben, non, pas l'apparition des créatures. Ça, je crois que je vais le garder. Parce que ça se peut qu'il y ait d'autres choses dans la même map. Donc, je sais pas trop. Comment je vais faire? Je crois que je vais peut-être bloquer avec des blocs invisibles là, pour pas qu'il y ait d'animaux ici, comme ce cochon qui est très gentil car il s'est en allé. Je vais aussi peut-être faire quelque chose qui est quand même pas pire. C'est parce que dans beaucoup de serveurs, dans le spawn, il y a des jumps. C'est des petits jumps. Comme si vous avez écouté. Dans les dernières vidéos, je me rappelle plus vraiment c'est laquelle. Je vous mettrai le lien en description. C'est une vidéo de TNT Run où est-ce que j'avais réussi un jump dans le spawn du serveur en question où est-ce que je faisais le TNT Run. Donc j'en ferai un aussi. Dans mon inventaire. Donc pourquoi je prends des clôtures? Parce que je vais peut-être mettre ça en dessous du bloc là. Donc, le jump, il pourrait peut-être. Je sais pas. Attends. Une, deux blocs. Ici. Et ensuite. Non. Mais un bloc ici. Et voilà. Faire un truc comme ça. Bon, je sais que c'est pas vraiment possible de faire ça. Donc on va peut-être le mettre ici. Tac comme ça. 2, 3. Ouais, comme ça. Je crois que ça va être correct, je pense, là, pour. Ah, en fait, je crois que vraiment que c'est possible. À moins que ça le soit pas. Si on essaie de faire comme un long jump ici, là. Ah! Yeah, c'est possible. C'est très possible jusqu'ici. Donc ça, cette partie du jump-là est correcte. En plus, c'est quand même bien, là. C'est un bloc ici, deux blocs et trois blocs à l'extrémité. Ceci, j'ai bien vérifié, c'est l'endroit où on spawn. Donc, où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre le bloc où est-ce qu'on aurait sauté? Je dirais peut-être ici, je sais pas. Là, ça pourrait comme partir pour aller sur les lettres. Je crois que ce serait plutôt bien. Je vais faire un petit peu ça et je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc là, je viens de penser à quelque chose. En fait, c'est que vu que sur le serveur Unfix, il va pas juste avoir le spawn, il va aussi avoir d'autres endroits sur la map qui seront accessibles. En fait, mettre la nuit pour voir qu'est-ce que ça donne.
Ben, minuit, en fait. Moi, je crois que c'est vraiment correct, là. Je m'attendais à ce que ce soit plus noir que ça. Donc, pas besoin de mettre de lampe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Donc, j'ai avancé sur le jump. Ben, maintenant, ça fait ça. J'ai aussi tout bloqué avec des barrières blocs. Et j'ai débloqué aux endroits que ça va être débloqué. Ensuite, j'ai fait un petit endroit ici. Si tu réussis cette partie-là du jump, bah, y a un petit endroit ici. C'est marqué zone des jumpers. Là, en fait, c'est comme. Bienvenue. En fait, petit endroit comme ça. Ou que. Bah, en fait, c'est juste ça. ça pourrait être vu comme, comme un easter egg là, pour ceux qui ont, pour ceux qui vont aller sur le serveur et qui n'auront pas entendu parler de ça parce qu'ils n'auront pas vu mes vidéos, ils pourront considérer ça comme un easter egg. Je sais pas. Je sais, j'avais dit que ça allait continuer sur les lettres. C'est ce qui va se passer aussi. Je vais juste le faire. On se retrouve quand ce sera fini. Et voilà, le jump est terminé. J'ai pensé à mettre des échelles, hein, c'est ce qui est très important. Et j'ai mis un petit panneau tout en haut et dessus. C'est écrit GG à toi, mais cela n'a servi à rien. Désolé. Donc en fait, il a tout fait le jump pour rien. La personne qui a fait ça. Mais j'ai testé, le jump est possible. Hein. Franchement, ici, c'est dur, hein, mais c'est possible. 1, 2, 3, 4 blocs. Oui, c'est même possible sans faire de long jump. Je viens de le faire, donc c'est parfait. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On a fait quand même quelque chose, hein. T'sais, on a mis des barrières blocs, on a fait le jump. T'sais, c'est bien. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner. Sur ce, au revoir.